Émile Vadeboncœur. Bonjour. Vous êtes responsable de ce projet qui est EAU. EAU. Ouais. Et ça se traduit comment EAU? Je suis en partie responsable du projet. On est trois dans le projet. EAU, c'est pour écosystème alimentaire urbain. Et c'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose de nouveau à Montréal. Une ferme verticale en aquaponie. C'est la première fois que Montréal voit ça. Et ça consiste en quoi? L'aquaponie, c'est un système de culture agricole qui existe depuis très longtemps en Amérique centrale. Nous, on l'exploite de façon plus moderne. C'est l'utilisation de poissons pour fertiliser des plantes. On va nourrir des poissons qui vont faire une eau qui est riche en nutriments. Cette riche en nutriments-là est utilisée pour fertiliser des plantes. Les plantes qui, par la suite, vont filtrer l'eau pour les poissons. Ce sont des poissons morts, quoi? C'est des poissons qui sont très vivants, c'est des tilapias. Le but de toute la façon qu'on va faire l'aquaponie, c'est d'avoir tout qui soit comestible. Alors, à la fin, on va pouvoir manger des légumes et des tilapias. Et votre projet, il est commandité par quelqu'un? L'investissement des conteneurs a été déboursé par les deux fondateurs de la compagnie. Mais on est aidé par la ville de Rosemont qui nous paye l'électricité et qui nous donne l'emplacement. Mais en échange, nous, on occupe la place Shamrock et on fait des activités tout l'été. Et en matière de travail que vous réalisez, ça consiste à quoi? Moi, je suis là 5 jours par semaine. Moi, je dois nourrir les poissons, je dois tailler les plantes, faire des récoltes, m'occuper des poissons. Moi, j'ai un bac en biologie. Je dois prendre des mesures sur les poissons, des différentes mesures qu'on prend pour des futures expériences qu'on veut faire. Les récoltes, on prend une récolte par semaine qu'on donne à la maisonnette des parents, qui est un organisme dans Rosemont qui redonne la nourriture qu'on produit à des familles chaque semaine. Est-ce que vous êtes allé faire un séjour en Amérique centrale pour voir comment il fonctionnait? Non, moi j'ai été 3 mois en Thaïlande à prendre la compagnie. Ah bon. Et ça vous a initié à tout ce que vous devriez faire ici? Oui, exactement. Là-bas, en Europe et en Asie, ils sont beaucoup plus développés qu'en Amérique du Nord, pour la compagnie. Ils font beaucoup plus de recherches. Juste la culture est beaucoup plus développée, il y a beaucoup plus de fermiers qui utilisent cette technique-là. Alors, c'est là que j'étais à apprendre. Et le Montréalais qui passe ici, là, ouais, en voyant ce conteneur blanc, quelle est sa réaction? Habituellement, les gens sont très curieux. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, veulent savoir comment est-ce qu'on produit la nourriture, quel est l'avantage de l'aquaponie, quel est l'avantage de la verticalité. Habituellement, ils sont très intéressés. Les gens veulent des produits, veulent manger nos... Et en plus, vous êtes situé juste à côté du marché central. L'emplacement est idéal pour la visibilité, pour que plein de gens puissent être sensibilisés à la nourriture de qualité, la nourriture sans pesticides. Alors ces plantes-là, vous les nourrissez avec l'eau. Ah, j'ai l'eau.